Salut à tous, c'est Hammers et nous nous retrouvons pour une nouvelle chaîne YouTube basée sur le gaming du jeu Minecraft. Alors là, je vais commencer une série de vidéos qui durera entre 20 et 30 minutes selon l'objectif de la vidéo et le contenu. Avec le mode de jeu hardcore. Donc pour ceux qui connaissent pas hardcore, c'est le même que le jeu survie, mais en difficulté maximale et avec une seule vie. Donc là, j'aurai pour objectif d'aller jusqu'à l'Ender Dragon. Donc là je génère le monde. Donc pour ceux qui connaissent pas Ender Dragon, c'est un immense dragon qu'il faut buter et c'est un peu le boss final de Minecraft. Donc je vais vous expliquer un peu pendant que ça charge et que je vais couper du bois comme tous les débuts de jeu Minecraft. Alors je vais faire pas que du hardcore. Je vais surtout faire. Alors surtout, non. Je vais faire du mode survie aussi avec des amis. Donc. Enfin, pas que des amis, ça peut être très bien vous si ça vous intéresse. Donc des modes survie à 3, 4, voire 5 même, pour créer une sorte de dynamisme. C'est beaucoup plus sympa de jouer à plusieurs, je pense. Donc les modes survie auront, ça sera comme les modes hardcore avec pour objectif d'aller jusqu'à l'Ender Dragon. Par contre, vous pourrez me laisser des objectifs dans les commentaires, comme faire une maison, une forteresse, faire n'importe quoi. Ça peut être plus sympa et totalement drôle de réaliser ce que vous me demandez. Même si ça peut être vraiment fou, j'essaierai de les faire. Alors peut-être pas en hardcore, hein, les trucs qui vont me tuer d'un coup, ça je le ferai pas. Mais pour les modes survie, pourquoi pas. Je ferai aussi du online, donc avec des modes de jeu comme Hunger Games, Swaps, ou d'autres si vous m'en proposez, pourquoi pas. Donc je verrai bien. Ensuite, je compte bien faire aussi des maps aventures, donc des maps aventures avec un qui auront pour but d'avoir un roleplay. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est que le roleplay, c'est comme si je m'adresserais pas à vous vraiment en fait. Je vais suivre un texte que j'aurais préparé et il m'arrivera des mésaventures ou des belles aventures, je ne sais pas. Enfin si, je sais très bien, mais donc vous verrez. Je pense que ça vous plaira. Et ça pourra très bien aussi se passer avec vous, si vous avez des idées, me les proposer. Et puis si ça m'intéresse, je vous contacte et puis on pourrait faire des vidéos ensemble. Toc toc. Bon alors là, je vais continuer à couper mon bois. J'ai pas buté les vaches tout de suite parce que je vais peut-être faire un élevage de vaches. Oui, ensuite alors. Je compte pas forcément rester que sur le jeu Minecraft, même si j'ai dit que ça serait sur Minecraft essentiellement. Je pense faire aussi sur d'autres jeux vidéo. Donc si vous avez des idées de jeux vidéo, vous pouvez m'en proposer. Moi perso, j'ai quelques idées sur Total War. Les Total War, j'aime beaucoup. Que ce soit Rome, Médiéval, Empire ou Napoléon, Shogun même aussi. J'aime moins Shogun, mais je peux en faire aussi. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Et je ferai des campagnes ou des batailles simples. Ce sera à vous de me dire ce qui vous plaît. Parce que la chaîne est spécialement faite pour vous. Hein, je la fais pour m'amuser aussi, évidemment, mais c'est quand même pour... j'essaie de répondre au public. Hop. Donc là, je suis en train de récupérer un petit peu de quoi faire de planter du blé. Puis après, j'ai buté des cochons. Donc voilà. Donc voilà. Je vous ai présenté un peu ce qui va se passer sur la chaîne, sur les prochaines semaines. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire. C'est qu'il n'y aura pas de date fixe pour une vidéo. Ce sera pas le dimanche, le mercredi, comme certains youtubeurs se forcent à faire, parce que ça perdra un peu ça deviendra une habitude un peu. Alors que moi, je préfère faire ma vidéo quand j'en ai envie. Bon, évidemment, ça sera assez régulier quand même. Je dis pas non plus qu'il y en aura une toutes les semaines, mais pourquoi pas. Ce sera du... Selon le temps que j'ai, parce que faut que je vous précise que je suis en études supérieures, je n'ai pas forcément le temps de autant de temps que d'autres, donc mais je ferai toujours ce qu'il faut pour faire des vidéos et puis que ça vous plaise. Voilà. Alors, donc, on va prendre un peu de pierre histoire de faire un petit four. Et des outils un peu plus convenables quand même, parce que ça c'est pas terrible terrible. Tac tac tac. Alors, bah tiens, on va faire notre petite maison là-dedans. Ça peut être sympa, petite maison là. Ah non, il me faut de l'eau.
qu'on va déménager. Je vais planter mes affaires. Alors, il me faut de l'eau, de l'eau, de l'eau. Mais moi, je voulais les vaches, là. Bon, tant pis. Il y aura sûrement des vaches ailleurs. Ah oui, aussi, je tiens à vous préciser que je filme pas mes vidéos à l'avance. Donc, pour le mode hardcore, là, comme vous voyez. En fait, bah si, je pourrais très bien mourir dans l'épisode 2. Sans... Je peux pas vous prévoir combien d'épisodes durera. Ça durera. Ça peut durer 10 épisodes, comme ça en durera 3. Ou... Bon, si vous doutez bien que s'il y a un épisode... S'il y a un épisode, c'est qu'il y en aura au moins un deuxième. Au moins un deuxième. Mais bon... je sais pas exactement combien il y aura. Puis c'est plus sympa aussi de se dire combien... De pas savoir. Alors, je vais planter tout ça là. Tac, tac, tac. Voilà. En plus, je suis pas très loin de mes vaches, donc c'est nickel. Je pourrais revenir les chercher. Alors... Voilà. Tac, tac. Alors, moi, je construis toujours mes maisons de 3 de haut. Je me dirais peut-être pour, je me demanderais peut-être pourquoi. Bah, pour la simple raison que quand je, ça m'est déjà arrivé que le jeu bug un petit peu et que quand je dorme et que je réapparais avec, vous voyez comme ça, deux de hauteur, vous avez le lit ici. Et bah quand je réapparais, j'apparais directement dans ce mur là et je meurs. Donc en mode hardcore c'est très chiant. Du coup j'ai pris l'habitude de faire 3-2. Puis c'est plus facile à jouer tout simplement. Ça, un petit peu moins l'impression d'être enfermé sur lui, sur nous-mêmes. Dans les cavités humides comme ça, on peut vite prendre un coup de froid. Puis après, on peut facilement être comment ça s'appelle déjà, c'est qu'on peur d'être enfermé, claustrophobe. Voilà, cherchez le mot. Alors voilà, tac, tac, tac. De quoi me faire un four, même deux fours. Pourquoi deux? Un pour. Un pour faire cuire notre petit bois. Et un pour faire cuire la viande. Qui n'a pas encore lieu d'être. Tac. Voilà. Et une fois que j'aurai le charbon là, je pourrai le mettre dans l'autre four. Voilà. Bon, maintenant je vais aller... encore un peu d'arbres. D'abord je vais me faire une épée pour éviter de tomber sur faire un petit peu de bâton. Pourtant les bâtons, tac, hop hop, voilà voilà voilà, je suis paré. Bon, chevaux, j'avais pas fait gaffe. Bon, alors du bois, du bois, on va recouper un petit peu de bois et puis bah, après on partira à la recherche d'une mine. Ah oui, donc je vais vous dire un petit peu les étapes qui vont se passer dans la série. Donc bah je vais commencer par essayer de trouver une mine, me mettre full fer, trouver de l'obsidium, du diamant si éventuellement, trouver de l'obsidium, faire le nether, aller dans le nether. Éclater la gueule au Blaze. Sortir, farmer les Enderman, construire une maison. C'est important, une petite maison aussi. Construire une maison et ensuite aller directement sur le portail de l'Underwagon. Et si possible, le battre. Ça c'est déjà moins sûr. Mais bon, il y a un espoir. Hein. J'ai déjà vu des gens qui ont gagné. En hardcore. Alors je me dis pourquoi pas moi. Surtout que j'ai pas mal d'expérience dans le mode hardcore, donc moi je pense que c'est faisable. Ah c'est ça que j'ai oublié de faire aussi. Des portes. On va pas me retrouver comme un con avec un néané avec un creeper. Bon, on va laisser. T'en vas le cheval? Non, il a pas envie de s'en aller. Allez.
aussi. Ah, les chevaux, ils sont pas chiants des fois, je vous dis. Alors, hop, des côtelettes. Maintenant, on fait du charbon. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Il me manque plus que des torches. Puis maintenant, chercher une mine. Alors. Ah, mince. Ouais, c'est ça que... Tac. Donc, je sais pas où c'est qu'elle est la première mine, donc je vais peut-être pr tout prendre. Mince. Je pense que je vais tout prendre comme affaire. Je vais laisser fondre, faire cuire ça en attendant. Toc. Puis on va partir rechercher un petit peu. Ah, la nuit tombe, donc justement, on partira vite, mieux ça sera. Bah non, je vais peut-être me laisser là, puisque comme j'ai toutes mes affaires qui sont en train de pousser et tout, bah finalement je vais rester là. J'ai cherché une mine dans le coin, puis je reviendrai, tant pis. Alors, partons à l'aventure. Bon, je vais m'organiser un petit peu mieux quand même, parce que... Hop. Voilà. Alors, où c'est qu'il pourrait y avoir une mine dans le coin? Et des poulets. Les poulets, c'est important. Hein. Alors, on atterrit sur une grande plaine. Oh! La lumière. Qui dit lumière? Oh, des moutons. J'ai bien fait d'aller par là. Du coup, je pourrais me faire un lit et passer ma nuit. Je sais pas si vous avez déjà remarqué sur Minecraft, enfin je pense que vous l'avez déjà remarqué, moi j'ai toujours fait ça débile, c'est que quand vous faites un lit, que la laine, elle soit blanche, noire, gris, le lit sera toujours rouge. Ça m'a toujours, toujours fait marrer sur Minecraft. Alors, nous partons à l'aventure. Ah, il faudra que je mette une torche ici aussi. Je vais mettre une torche là parce que sinon je vais me perdre. Je sens que je vais me perdre. Tadadam. Mettre là plutôt. Hop. Hop. Voilà. Esthétique. Ouais, je suis un petit peu un maniaque, hein, l'esthétisme sur Minecraft. Ce qui est mieux. Alors, un petit lit, et puis on va dodo. Et on partira demain matin à la recherche des... d'une mine. Et tout ça à cuire. Tac, et hop, au dodo. Ah, première journée sur ce monde. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Bon, allez, on y retourne. On va essayer de trouver. Donc là-bas, il y avait même. J'ai trouvé du de la lave. Tac, tac, tac. Pas mal de chevaux ici. Y a un truc qui brûle là-bas. On dirait que ça brûle. À mon avis, c'est un bestiau qui a du couard là-dedans. Alors, ah bah vous voyez, qui dit love dit mine. Ah bah non, c'est pas une mine. Gros fail. Alors, oh, hey. Il y a partout des chevaux là. Bon, ah bah voilà, une caverne. Faut que je mette de quoi me repérer parce que sinon je vais me perdre. Oh. Oh là là. Encore un fail, voilà. Putain, j'en ai mis deux. Bon, je viens de par là. Ok. Suive la lave. Alors.
Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ce serait sympa de trouver une petite mine. Comme ça. Oh, des loups. Des loups, des loups. Des loups, des loups, des loups. Je sais pas si c'est agressif des loups. Sur le jeu, je parle. En vrai, je pense que c'est agressif. Alors. Bon. Ah, bah voilà. J'espère que c'est pas encore un fail, hein. Alors, oh, bah si, encore un. Il n'y a pas de mine bien ici, hein, c'est pas possible. Ah, me serais-je trompé? Prendre un petit peu de charbon, ça sera toujours des arbres d'économiser. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Et il n'y a rien. Voilà. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon. On peut passer un quart d'heure à chercher une mine quand même. Je pense qu'il doit y avoir de quoi faire là-dedans. À partir sur la montagne. Allez. Parce que je pense que ce que je ferais, c'est que. Oh! Il va y avoir un sacré lac de lave là-bas. Je pense que je ferais, c'est que je ramènerai toutes mes affaires par là parce que je suis vachement loin de là où j'habite normalement. Puis surtout que là il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'était un petit bug, c'est tout. Ok. Bon. Alors, il n'y aurait pas une petite forme, petite ouverture là, non? Non, bon. On va voir ce qu'il y a là au-dessus ou autour, on ne sait pas. Moi, je cherche du fer surtout. Oh la vache, il y a du gravier ici. M'éloigne vachement. Je suis même atterri dans un biome. Biome, je sais pas trop quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Rien. J'avais de quoi. Je veux du fer, putain. Il y a pas mal de lave ici. D'ailleurs, des volcans. Je vous raconte même pas. Allons voir ce qui se passe ici. Ce serait sympa un petit peu de faire. Ah bah vous. Eh. Je suis inquiet là. C'est un lapin? Ah oui, un lapin. Bah il est mort. Il n'y a plus de lapin. C'est vraiment horrible ce que je viens de faire. Pauvre lapin. Parce que je pense que ce que je referai, je me ferai carrément une nouvelle base ici, parce que bon, ce qui est là-bas, on s'en fout un peu, il y a des moutons pas loin. Je vais me refaire un lit, puis c'est tout. Pas envie d'aller retourner là-bas pour récupérer trois affaires. Oh, vous avez entendu? Des bruits bizarres. Cela veut dire qu'il y a du danger. Pas mal de fer ici, je suis très content là de trouver autant de fer. Je vous avoue que je perds espoir là. Voilà, toutes mes affaires. Oh putain, il est encore ici en plus. Oh, un nouveau filon. Yeah. Oh, il est encore derrière en plus. Trop bien. Là, les amis, c'est un très très bon. Oh, plus j'en ai failli en oublier. Alors, on va mettre un petit peu de lumière dans ce catacombe. Je vais me faire un four. Ah oh putain, ah oui, j'ai rien, il y en a ici aussi. Je me disais bien, j'en ai oublié quelque part. Est-ce que j'ai assez pour me refaire un four? Peut-être de crafter
Minecraft aussi, nickel. J'ai tout ce qu'il faut. Bah voilà. Donc bon, bah je vais me faire une petite maison ici, vite fait. Tac. Voilà. Ah non, Tac. Voilà. Tac, un établi. Hop. Deux fois. Tac. Et encore des portes, parce que du coup il m'en manque une pour faire la double. Oui, j'aime bien avoir double porte, moi. On met tout ça à cuire. Hop. 31 minerais, vous vous rendez compte, les amis? Prendre la moitié. Mettre ici. Voilà. Alors, un petit peu de torche aussi. Puis après, les amis, ça fera déjà bientôt 20 minutes qu'on est ensemble. Je vais pas tarder à m'arrêter. Pour bah, tout simplement vous laisser un peu plus le temps de découvrir la chaîne, tout ça. Puis vous laisser un peu de suspense, hein. Si je fais tout en une fois, c'est pas drôle. Hop, une petite épée. Très important, l'épée. Hein. Une pioche. Pour si je tombe sur du diamant. Toc. Pour l'instant, je vais garder celle-là. Toc. Hop. Puis maintenant, le reste, ce sera pour me faire une armure. Alors là, les amis, je suis vraiment très très content parce que si je compte bien, donc là j'en ai 8, j'en ai encore 10 qui cu 8 qui cuisent là, 18. Je pense que j'ai quoi presque me faire. Bah, je pense que j'ai même de quoi assez me faire une fou. Me mettre full fer directement. Ouais, j'ai assez. J'ai largement assez normalement. Normalement, j'ai assez. Alors là, hop, les fameuses bottes. Tac. Donc je finis mon armure, puis je vais arrêter là. Bah tiens, je vais aller buter des moutons attendant que ça cuise. Hop. Comme ça laisse un petit peu plus de game, et puis bah voilà. On s'arrêtera ici. Bah tiens, hé, en plus ils sont juste en face. Allez hop. Oh, il y a un ami creeper. Un ami creeper. Va le buter. Alors j'aime pas trop les creepers, mais bon. Moi ça me dérange pas trop de les buter. Hop. Hop, désolé le mouton, je t'aimais bien. Mais... Ah bah du coup j'ai laissé de la bouffe là-bas en fait, à la haute base. Enfin tant pis, la bouffe il y en a toujours à l'infini. Ah. Hop, voilà. Voilà. Tac. Mon petit lit. Ici. Voilà. Et je finis ma petite armure. Et voilà. Voilà les amis, je suis full fer. Et me voici donc avec mon épée. Et nous sommes full fer. Voilà, tada. Donc bah, je vais vous quitter là. Donc là, bah, on a fait un très très bon début. Je suis vraiment très content. On a trouvé une belle... On s'est fait full fer.
C'est pas que j'y arriverai dès le premier épisode. Donc on va partir au prochain épisode pour trouver de l'obsidium, éventuellement du charbon, du diamant, pour faire une cloche, voire une épée, voire une armure même. Et donc voilà. Et surtout, donc je vais vous quitter là. Donc, partagez la vidéo si ça vous a, si ça vous a plu. Laissez des commentaires, laissez un petit pouce. Et partagez, partagez, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et plus vous serez nombreux à regarder, plus vous serez nombreux à commenter, à me proposer des idées. Et plus le contenu s'améliorera, les rendus, la qualité même de la vidéo pourra s'améliorer. Car plus vous serez nombreux, plus j'investirai pour pouvoir vous donner ce que vous attendez, une meilleure qualité d'image, de jeu, de tout. Donc voilà, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Donc je vais vous... Je vous remercie. Merci à tous. Salut!